Le mec, il avait une mini. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo story time. Yeah. Oh, je m'épuise, bordel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo story time puisque j'ai un truc à vous raconter, les gars. Et vous êtes pas prêts du tout. C'était il y a quelques mois, j'étais chez moi, voilà, tout simplement. Et en fait, je suis inscrit sur une application sur Grindr. C'était le moment où j'étais vraiment en manque, voilà, tout simplement. Et en fait, j'ai rencontré un gars. Comment on va l'appeler celui-là ? On va l'appeler Maxime. Et donc, ce Maxime m'a contacté sur Grindr. Ce Maxime m'a contacté sur cette application. Il était à peu près 1h30 du matin. Donc, il m'a contacté à 1h30 du matin. Il m'a dit toujours les formalités, salut, comment ça va, etc. Et à un moment, il m'a dit: qu'est-ce que tu cherches? Donc, moi j'ai dit ouais, je cherche du fun, machin et tout. Et il me dit: moi je cherche un plan cul. Alors moi je suis comme ça. Ouais, ok, pourquoi pas, pas mal. Et donc, donc je regarde sur son profil et il était mignon, machin et tout. Je vais pas vous mettre de photos parce que j'ai pas envie d'avoir d'emmerde avec cette personne-là. Et donc, il m'a ajouté. J'ai été checker son profil Grindr et tout. Et je me suis dit, ouais, grave cool. Et il est super beau, bien gaulé, machin et tout. Faut pas croire, hein, c'est pas qu'il est bien gaulé en haut, qu'il est bien gaulé en bas. Hein. Je vais pas vous faire de dessin. De toute façon, je sais même pas dessiner. Mais bon, bref. Rien que d'y penser, ça me fait rire et j'ai envie de le buter, le mec. Il m'a dit, ouais... Envoie-moi une photo. Je lui ai dit, ok, je lui envoie une photo. Donc une photo de moi, normal, tu vois, je peux me foutre à poil. J'ai l'air de question que je me foute à poil pour quelqu'un que je connais ni David Adam. Et donc du coup, je lui envoie ma photo. Je vais vous mettre la photo à laquelle je lui ai envoyé. Voilà, juste ici ou quelque part d'autre. Et je lui envoie la photo et il me dit, ouais, t'es mignon. Donc je lui ai répondu, merci. Et à un moment, il me dit, ouais... Est-ce que tu veux que je t'envoie une autre photo qui m'a fait de profil? Oui, moi je dis oui, il n'y a pas de souci, tu vois. Il m'envoie sa photo, et il m'envoie donc sa photo, je lui dis... Bon, vas-y, t'es mignon, machin et tout, et... Si tu veux, on se voit, parce que bah, on pouvait se voir, parce qu'on habite à 300 mètres l'un de l'autre. Et donc, du coup, il m'envoie sa photo, et avant de partir de chez lui, il me dit, ouais, je t'envoie une photo un peu haute. J'ai fait haute. Donc il m'envoie sa photo, etc. Et là... Il avait... Petite b... Voilà. Si je pouvais vous donner la taille... moins de 10 cm en érection. Voilà. J'étais tellement chou que je lui ai dit bon... Ok, on se voit quand même, on va discuter, machin et tout, et on va voir si... monsieur sait s'en servir. Il vient chez moi, machin et tout, je lui offre un café, tu vois, en toute... je suis quelqu'un qui sait recevoir. Ma mère m'a toujours appris être courtois avec la personne qu'on reçoit chez nous. Donc on commence à parler, machin et tout, on fait connaissance, tu t'appelles comment, t'as quel âge, nanin, nanana, nanana. Jusqu'à un moment où, il me dit... C'est quoi la tête de ta... Pardon ? Je dis, moi je sais pas, moi. Et là, il a rajouté un truc... Ça a été le pompon sur la Garonne m'a demandé de la mesurer devant lui. What the fuck? J'avais pas envie de mesurer ma teub devant lui, c'était hors de question. Et à un moment, il dit... C'est quand tu veux, machin et tout et tout. J'ai fait... Ta... D'accord. Je finis mon café et voilà, on s'y met. Eh j'aurais pas dû... Parce que non seulement monsieur avait un micro-pénis, mais il... comment dirais-je? Il tenait pas beaucoup de temps. Oui, voilà. Clairement, au bout de 15 minutes, c'était terminé. Cette histoire m'a littéralement traumatisé. Dès que j'y pense, c'est pour ça que je vois. Mais il est sérieux. Donc voilà, c'est une courte story time. Si vous voulez plus de story time... pas les dégager et là de là espèce de connard. Bref.
Et donc du coup voilà, c'est une courte story time. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez bien rire. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, et de partager cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.